année, on est là depuis 1999. Il y a un an exactement, le Django 770 était nommé bateau de l'année 2011. Oui, tout à fait. Et alors depuis ? Eh bien depuis, il se passe des choses plutôt sereines puisque ça a créé de l'emploi, ça a créé un développement de la société Marée Haute avec un carnet de commandes qui est plutôt serein par rapport à la situation. Et tout ça nous a donné plus qu'envie de lancer une version, le petit frère du Django 770 qui va être le Django 670. On a un bateau qui permet de faire du petit camping nautique, du cabotage, etc. Donc avec toujours la facilité de transport et de mise à l'eau et de mise en œuvre du bateau sous voile en moins de 10 minutes. La question, c'est plus une place de port, c'est de trouver la cale qui convient pour mettre à l'eau. Magnifique année. En 2012, nous mettons à l'eau le Pogo 50. Nous allons le mettre à l'eau fin juin, début juillet. C'est un bateau assez extraordinaire qui va certainement révolutionner un petit peu le monde de la croisière dans cette taille de bateau. Le salon 2011 est encore plus important pour la Bretagne que les salons précédents parce qu'il permet l'annonce de grands événements nautiques en 2012. D'abord Tonnerre de Brest qui tous les 4 ans réunit la foule que l'on connaît et donne de la Bretagne une image très forte à la fois en tradition et en innovation. Et puis il y a aussi la Volvo qui pour la première fois depuis très longtemps fera étape en France avec un équipage français Groupama. Donc c'est un grand événement qui s'ajoutera à la Transat AG2R Concarneau-Lorient et à la course du Figaro. Donc vraiment l'année 2012 sera forte. Et ça méritait une présence significative de la région Bretagne à ce salon avec la mise en valeur des ports de Brest et de Lorient en particulier, mais aussi avec la mise en valeur des entreprises qui sont à la fois des petites entreprises, mais aussi des entreprises performantes et innovantes. C'est la singularité des entreprises nautiques en Bretagne. Elles ne sont pas des entreprises de production de masse, mais elles sont des entreprises de haut niveau technologique ou de production de niche, ce qui donne parfois des petits bijoux, en tout cas au moins des trésors de création et d'innovation.